Coucou les filles, ben écoutez, je vous reviens avec une vidéo qui va parler de Neve Cosmetics. Donc c'est une marque italienne que l'on peut trouver vendue par makeupminéral.fr. Donc je vous laisserai le lien en barre d'information. Donc en fait, je vais ouvrir un colis que j'ai reçu, voilà, de leur part. J'ai commandé la palette, donc avec les effets, vous voyez là, la palette avec des effets lumineux à l'intérieur, chrome. Donc, chrome, comment je parle? Bref, donc en fait, je me suis munie d'un petit couteau et je vais ouvrir tout de suite ce petit coffret, ce petit paquet avec vous. Donc voilà, alors... Hop, un coup ici, au milieu, sans se couper. Donc voilà l'intérieur du paquet. Donc je suis extrêmement impatiente. Donc on a du papier pour le rembourrage. On a une petite pochette Neve Cosmetics, donc Makeup Minéral m'a fait parvenir parce que j'avais pris une ombre mono pour arriver en fait. J'avais un code de réduction qui permettait d'avoir des frais de port gratuits, donc il fallait atteindre un minimum de commandes. Et pour atteindre ce minimum, il me fallait une ombre mono. Donc j'ai commandé une ombre mono pour avoir la palette, les frais de port gratuits. Et ils m'ont aussi envoyé je les en remercie beaucoup, des pastelli, i pastelli di Neve Cosmetics. Oui, parce que vi ringrazio molto il Makeup Mirror perché penso che ci sono in Italia, parce que le paquet vient d'Italia. Donc, vi ringrazio molto per i pastelli che mi piacciono molto. Devo vedere un poco i swatch, però mi parescono molti belli. J'essaie de parler un petit peu italien pour les remercier dans leur langue, si toutefois ils passaient par cette vidéo, et je leur dis que ils me paraissent très très beaux. Donc, j'ai vraiment hâte de les swatcher. J'espère que j'aurai pas fait trop de fautes parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué l'italien, donc voilà. Donc dans la pochette, nous avons donc les petites cartes de présentation un petit peu des produits. Donc là les pastelli. Voilà, c'est trop chou, j'adore. Avec donc là bah, vous avez les pinceaux, là la collection Barocco. Ici les nouvelles crèmes de lèvres, donc il y a une promo pour l'hiver, voilà, pour Noël. Ensuite le mascara Occhioni, le Mineral Foundation et le Makeup Mineral mode d'emploi, voilà, tout bêtement. Et ensuite vous avez les autres petits articles qu'ils m'ont envoyés et je suis vraiment, mais vraiment trop contente. Donc, je vous laisse admirer les couleurs. Oh, trop bien. Alors, par contre, les swatchs, je vais les faire comme la dernière fois. Je vais les faire en vidéo, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa pour vous de regarder des vidéos, plutôt que simplement les images qui défilaient. Donc, voilà pour les stylos, enfin les crayons. Et voilà la Duochrome palette. Elle est merveilleuse, vous trouvez pas? Rien que de visu, elle est trop belle, j'adore. Et en fait derrière vous avez les teintes et vous voyez un petit peu les deux couleurs que chaque fard peut représenter. Donc il y a le Pioggia Acida, le Utopia, le Fenice, le Chimera, Twilight, le Melastregata, Abracadabra, Pauline, Veleno et Mezza Estate. Donc voilà, donc en fait les 5 crayons
et je vais ouvrir. Donc pour l'ombre à paupières que j'ai commandé, c'est celle-ci, c'est le étoile, parce que il me semblait que c'était un super highlighter. Donc en fait tous les produits Neve Cosmetics et donc qui sont vendus chez Makeup Mineral sont végétariens, végétaliens, non testés sur les animaux. Je sais pas s'ils sont bio, mais voilà quoi. Et sont faits en Italie. Donc voilà, donc bah écoutez, pour les swatchs, hein, je vous donne rendez-vous dans la vidéo. Donc nous revoilà pour les swatchs de cette petite palette. Je vous mettrai en bas là, juste en bas là, ici, le nom à chaque fois des fards. Parce qu'en fait j'ai essayé de vous filmer en fait pour vous montrer et ça rend cracra, donc c'est nul. Donc on va commencer par le premier qui est un superbe kaki. Donc à chaque fois ils ont des reflets en fait chromés. Voilà. Donc. Ah, ils sont magnifiques ces fards. De toute façon j'avais vu sur la chaîne bah, d'Audrey, hein, je t'embrasse, si tu passes par là, la pigmentation. Mais franchement regardez, hein. En un passage, je n'ai passé qu'une fois sur ma main et j'en ai encore sur mon doigt, donc imaginez. Au niveau de la pigmentation, c'est top. Ils sont pas poudreux. Alors, pas du tout. Oh, purée, ils sont ultra pigmentés, ils sont trop beaux. Donc, écoutez, j'avais vu qu'au niveau pigmentation, ils étaient pas mal du tout. Ils sont pas poudreux. Alors là, c'est un violet avec des reflets verts. Regardez ça. Franchement, pigmentation, on peut rien dire. Pouh. Une beauté. Une beauté. Alors, je vous précise maintenant, parce que du coup, on a un petit peu le temps devant nous, tant que je me débarbouille, tout ça, j'essaye de faire vite, mais bon, faut que la vidéo dure 2 heures. La palette en elle-même est à 33,80. Voilà. Donc ça c'est pour le tarif. Là on a un magnifique violet. Regardez voir. Un violet bleuté. Mais la pigmentation, elle est de dingue. Hein. Voilà. Vraiment magnifique. En ce qui concerne les frais de port, ils sont de 5,90 quand ils sont en offre spéciale sur le site internet. Sachant qu'en barre d'infos, je vous mettrai un code promo. Pour les avoir gratuits jusqu'au 31/12/2014, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. J'essaierai de gratter avec eux si je peux pas avoir un code pour vous le mettre justement pour 2015, mais ça vous permet d'avoir les frais gratuits. Sachant que là j'ai craqué pour deux nouvelles palettes, la Chiarissimi et la Elegantissimi, donc je vous ferai une revue après. Là on a un magnifique bleu turquoise, mais de tuerie. Regarde-moi ça. Eh, franchement, ils peuvent être soit mouillés, soit pas. Mais je pense que... Bon, de toute façon, ma lingette est mouillée, donc c'est plus ou moins l'effet mouillé quand même. Mais, oh là 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 là. Regardez la pigmentation, j'en ai plein. Enfin bref, c'est magnifique. Ensuite, on passe au cuivré. Regardez ça. Pouh. Un orange. Enfin, ça a des reflets orange et cuivré. Trop trop beau. Oh, et ils sont magnifiques. Oh là là, j'en reviens pas. Oh, puis pour les retirer, mazette. Hein. Accroche-toi. J'essaye de pas m'en mettre partout, regardez, mais pouh. Bon là j'étale plus qu'autre chose. Vous m'épuisez en stock de lingettes, les filles. Vous m'épuisez. J'avais aussi une autre petite chose à vous dire en ce qui concerne la livraison. Alors, effectivement, sans promo, sans rien, la livraison est à 7,90. On passe au jaune. Donc, vous allez peut-être penser... Il est magnifique. Oh, jaune avec des reflets verts. Vous allez peut-être penser que c'est un petit peu excessif au niveau des prix pour la livraison. Wow, c'est trop joli. Mais sachez quand même que vous êtes livré en 48 heures. C'est-à-dire que dès qu'ils ont pris la peine d'envoyer au colis, vous les avez quasi le lendemain, quoi. Enfin, moi j'avais passé
Parce que moi, je passe mes commandes toujours la nuit. Parce que je rêve de ce que je veux acheter, donc forcément. Donc ça, c'est un violet avec des paillettes violet rose. Ah, magnifique, hein. Et donc, on peut penser que c'est cher. Mais bon, moi, j'ai passé ma commande hyper tard dans la nuit. Le lendemain matin, ils me l'ont expédié. Je l'ai reçu le lendemain de l'expédition. Soit super tôt, quoi. Purée, je suis pas du tout déçue de la pigmentation. C'est vraiment top. Ils ont un effet... Enfin, quand on les touche, ils sont veloutés. Vraiment veloutés. C'est magnifique. Ça, c'est... Oh là 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 là. C'est un marron avec des reflets. Attends, tu le vois pas? Tiens, regarde ça. Ouh là là. Regarde, c'est beau. Oh, c'est beau. Je vais me faire plaisir. Je vous ferai un tuto avec... dès que je saurai comment je vais m'organiser pour le filmer, parce que... En fait, je sais pas comment les filles, elles font, mais moi, à chaque fois que je me filme, j'ai l'air... ça va pas, soit je cadre pas bien, soit... Il y a toujours un truc qui va pas, en fait. Pigmentation de dingue, parce que regardez, j'en ai encore, hein, j'arrive pas à tout retirer. Alors là, on a un marron glacé. Oh là là, trop trop joli, regarde. La pigmentation est plus déterminée là, hein, vraiment un super beau marron avec des reflets un peu dorés. Trop joli. Oh non, non, mais je regrette pas. Donc là, elle est en promo. Sachez qu'elle est plus à 33,80, là il y a 25% je crois sur le site, jusqu'à je sais pas quand, donc si vous voulez vraiment y aller, foncez quoi. Et ça c'est un petit, c'est mon préféré, c'est le saumon avec des reflets roses, que je vous avais dit. Et en ce moment je sais pas ce que j'ai avec le orange, le saumon, le chair, j'adore, regardez ça. Oh, à estomper, regardez comme ça va tout seul. Pourtant, j'ai la main un peu moite, étant donné que j'y vais à la lingette. Regardez, estomper ce que ça rend. C'est trop joli. Donc, bah, écoutez, voilà pour la palette. Je vous ai dit ce que je vous avais à dire. Au niveau du code promo, au niveau de la livraison. Donc, pour la palette, c'est terminé. Et ensuite, ils m'ont offert, donc bah, je les en remercie toujours, hein, un lot de crayons. Donc... de la nouvelle collection Barocco, je crois, non, même pas, je sais même pas si c'est la collection Barocco. Donc je vais juste vous faire le mono, parce que ça je voulais le mettre en coin interne, et il est vraiment hyper perlé. Ben, je sais qu'ils sont hyper pigmentés maintenant, alors j'en mets pas beaucoup, parce que c'est vraiment histoire qu'on voit qu'en coin interne et en coin externe, en highlighting, c'est vraiment très très joli, ça va illuminer parfaitement le regard, quoi. Vu que moi j'ai des petits yeux, donc j'ai tendance à faire des maquillages qui agrandissent le regard. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo comment agrandir et comment rétrécir le regard, enfin fermer un petit peu l'œil pour les grands yeux ou les petits yeux, n'hésitez pas, hein, y a des techniques qui existent. Donc pour celles qui ont des grands yeux et qui veulent un effet d'optique pour les rapetissir et inversement, n'hésitez pas à me demander. Ensuite, donc ben, on passe au crayon. Donc là, j'ai la teinte Ego Bistre, la M027. Ici, on voit, enfin, vous verrez pas, mais. Donc, c'est un magnifique marron. Wow, pigmentation de dingue. Qui va aller parfaitement avec le marron que j'ai dans la palette. Parce qu'il ressemble énormément. Donc, c'est écrit Natural Eyeliner dessus, hein. Mais on peut vraiment, je pense que je vous dirai la tenue. Attendez, bah, je vais vous dire tout de suite comment ça. Vous ne voyez pas, mais je suis en train d'essayer dans la muqueuse. Ah, ça marque super bien. Alors, dans la muqueuse, ça marque super bien. Après, il faut voir la tenue, je vous dirai. Mais... Donc, ensuite, on a le M020, le Acero Brown. Donc, je vais le faire au-dessus. Oh, très très joli. Mais par contre, brown, je trouve plus que c'est un cuivré, moi, plutôt qu'un brown. Normalement c'est marron, mais bon. Alors ensuite on a le M025, le
Léon Amber. Donc c'est le doré. Attends, je suis où là? Je sais plus. Voilà. Il est vraiment très joli. Et comme je disais précédemment, j'aime pas trop les dorés, mais franchement celui-là, il est vraiment joli. Et je suis susceptible vraiment de le porter. Ensuite, on a le M26, le Visio Platinum. Alors ça, par contre... Ah, c'est un vieux or. Il est magnifique. C'est mon préféré. Pour l'instant. C'est un vieux or, mais qui tire vraiment sur le gris, quoi. Ben, ce qu'ils appellent, je pense, Platinum. Je ne sais pas. Et ensuite, on a... le M12, le Zafiro Indigo. Alors franchement, je n'avais pas de couleur qui soit trop bleutée dans mes crayons. Voilà, donc je vais le faire là, vous voyez. Wow, il est trop beau. Regardez ça. Il est vraiment trop joli. Donc je vous refais un petit peu l'état. Bon, le platinium, on le voit vraiment pas très très bien. Mais ils sont tous hyper pigmentés, hyper jolis, hyper lumineux. Ça, j'ai pas à me plaindre du tout de ce côté-là. C'est vraiment des chouchous. Neve Cosmetics, j'aurais dit... parce que franchement, quand je les ai vus sur le site, j'étais pas partie vraiment pour en acheter, quoi. Mais là, vu qu'ils me les ont offert, effectivement, je peux déterminer de la qualité. Et j'avais hésité parce que, bon, ils avaient pas forcément belle tête. Et je regrette pas du tout. Donc, je les en remercie énormément. Et puis je recommande cette marque parce que franchement la pigmentation elle est de folie. Je ne regrette pas de m'être commandé les deux autres parce que quand j'ai vu la pigmentation de celle-là, je me suis dit, parce que j'avais quand même souhaité un tout petit peu avant de vous faire les swatchs. Et honnêtement, je regrette pas parce que j'ai pris la Carissimi et la Légantissimi. La Légantissimi c'est plus les tons nudes et la Carissimi c'est un peu les tons pastels et tout. Et vraiment j'ai hâte de faire un unboxing pour vous montrer ça. Donc écoutez, je vous retrouve tout de suite. J'espère avoir tout dit au niveau de la livraison. Si vous avez des questions, c'est en barre d'infos, n'hésitez pas. Et donc je vous laisse, bisous, ciao. Coucou, écoutez, je reviens donc avec cette superbe palette ainsi que ces petits crayons pour vous donner un petit peu mon avis. Donc franchement, comme vous avez pu le voir dans les swatchs, j'ai donné déjà les premières caractéristiques. Donc ma note pour cette palette est hyper positive, je dirais un 9 sur 10 parce que vraiment au niveau des couleurs, on a de tout. Moi qui aime faire des make-up colorés comme des make-up vraiment foncés, j'ai vraiment l'embarras du choix. Elle me faisait vraiment... Je remercie d'ailleurs et j'embrasse Audrey Marshmallow de la chaîne Marshmallow qui m'a fait découvrir. Donc j'ai vu une revue sur cette palette et donc c'est grâce à elle que j'ai foncé en fait pour me l'acheter. Et donc je n'ai que des avis positifs. Franchement pas trop poudreux, belle pigmentation, belle couleur, compacte parce qu'elle est vraiment pas épaisse du tout, donc transportable, vraiment, ouh j'allais faire un malheur, couleur superbe, vraiment moi je top, franchement top. Donc je n'ai foncé. Honnêtement, foncez, inscrivez-vous sur le site Neve Cosmetics pour recevoir leur promo, pour être sûr de tomber dans le bon moment, par exemple pour vos frais de port gratuits, tout ça, tout ça. Mais si vous hésitiez, je vous conseille de vous ruer dessus parce que c'est une édition limitée et que vous allez pleurer si vous ne l'achetez pas. Voilà. Vous allez vous dire, mince, j'ai merdé. Oui, voilà. Mais moi, je l'ai. Donc voilà, et en ce qui concerne donc les crayons, pareil quoi, une couleur de fou, la pigmentation de dingue. Pourtant, je suis pas vraiment or, donc le seul que j'utiliserai peut-être moins, c'est celui-ci. Et même celui-ci, pourtant, j'ai trouvé qu'il était pas trop or, vraiment, je suis susceptible de le porter quand même, vraiment. Et donc, combiné avec le marron, il sera de plus bel effet, donc... très crémeux, très facile
à appliquer. Donc au niveau de la tenue, je vous donnerai des tops ou des flops parce que en muqueuse, on verra bien, mais sur la main, ils ont l'air de vachement bien tenir. Donc bah écoutez, un très bon point pour Neve Cosmétiques. Donc merci Makeup Minéral vraiment pour cette belle découverte. Je trouve quand même que vous faites des produits top. Donc ma gamme entre, enfin vraiment Kiko j'aimais bien, mais alors là Makeup Minéral, les produits Neve Cosmétiques, j'adore. Il faut être pris pour être appris, et là mais une belle découverte quoi. Vraiment foncez les filles, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon après le fard tout seul, effectivement un très bon highlighter, c'est sûr. Hein. Je peux pas dire le contraire. Je me suis pas trompée. À l'avenir, pourquoi pas faire ce type de parce qu'il y a des palettes personnalisables comme ça. Bon, c'est sûr, c'est pas la duochrome, mais en fait, c'est des palettes vides et vous pouvez insérer vos fards à l'intérieur. Donc, je pense que la prochaine étape pour moi, compte tenu de la qualité des fards, ce sera la palette personnalisable. Donc, je verrai bien. Pour l'instant, on va peut-être se calmer un petit peu au niveau achat parce que j'en ai fait beaucoup. Mais franchement, je regrette pas. Et je répète, je ne regrette pas mon achat, mon investissement. Voilà, si c'était à refaire, je leur ferai vivement la palette personnalisable. Je verrai bien un petit peu plus tard. Pour pouvoir l'acquérir. Donc bah, écoutez les filles, sur ce je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Je vous laisse et à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao.